Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous ai prévenu hier qu'elle allait sortir aujourd'hui. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo d'hier si vous voulez voir un petit peu du contenu qui change sur ma chaîne avec du gameplay, avec le Big 3 du Miami Heat. En tout cas, le sujet de cette vidéo, ça va être le top 10 des joueurs entre 10 000 et 50 000 MT comme budget, donc un budget abordable à tout le monde, surtout si vous suivez les conseils d'achat-vente que je vous donne tous les jours sur Twitch, sur la vidéo Toukémilie ou que ce soit sur les vidéos filtres, ou tout simplement si vous faites du grind, si vous jouez au fur et à mesure toute l'année, franchement, des MT pour avoir des joueurs dans les prix que je vais vous donner, en tout cas qui sont très très forts et très OP pour cette version d'NBA 2K21 My Team, vous allez pouvoir y arriver facilement. Donc comme je vous l'ai dit, je vous proposais 10 joueurs, je vous ai déjà fait la saison précédente dans cette série avec les joueurs à moins de 10K, ensuite entre 10 et 50, 50 et 100, 100 et 200, etc. Là, je vous ai juste fait l'épisode avec les 10 meilleurs joueurs à moins de 5 000 MT. N'hésitez pas à aller voir, descendez un petit peu les vidéos, n'hésitez pas à aller voir le premier épisode. Et du coup, cette vidéo, ça va beaucoup vous intéresser pour avoir des équipes budget card, des équipes qui vont pas vous coûter trop cher, mais avec des joueurs vraiment opérationnels. Et sans plus tarder, les gars, déjà, je compte sur vous pour mettre un petit like, un petit commentaire, un abonnement. Comme d'habitude, on se rapproche des 5 000 abonnés. D'ailleurs, merci infiniment, les gars, de vous abonner tous les jours, de mettre des commentaires, des likes sur les vidéos. Et comme vous le voyez à l'écran, le premier joueur que je vais vous proposer dans cette vidéo, ça va être Lamar Odom. Lamar Odom qui, malheureusement, quand j'ai fait cette vidéo, quand j'ai conçu cette vidéo, on va dire, pour vous la faire, il coûtait 47 850. Là, je l'ai noté à côté de moi. Et là, il a augmenté à 59 500, mais je me suis senti quand même obligé de vous le dire dans cette vidéo, cette carte. Donc je m'excuse d'avance, la première carte, c'est pour ça que j'ai mis en première, a dépassé un petit peu le budget, c'était pas prévu, mais cette carte est juste trop forte. Si vous avez le budget pour un ailier fort, il est très bien badgé, il fait 2m8, 104 kilos, il shoot à 3 points, il dunk, il est bon près du cercle, au mouvement au poste, il a quand même des bonnes stats avec un 90 en provocation de faute, très bon à la passe. Défensivement, c'est correct avec un 80 en contre, 85 en inter et un double 88 aux défenses de zone, 88 et 88 en rebond. Et tout ça assemblé à un 91 de vitesse pour un gabarit comme Lamar Odom. Franchement, ça va faire une différence énorme. En tout cas, c'est un vrai buff. Il fait penser un petit peu à LeBron sur Touquet. On est un peu plus grand, un peu plus costaud. Regardez en comparaison avec une carte comme Anton Jamison Opal qui est disponible dans la domination en feu. Il a tout simplement 7 badges Hall of Fame en plus. Et 6 badges en or en plus, il possède pratiquement tous les badges les plus importants. Il a malheureusement pas Tenaille, mais il possède Showtime au niveau des badges offensifs. Il a un premier pas rapide en Hall of Fame, machine à tirer en Hall of Fame également. J'espère qu'au moment où je vais vous sortir cette vidéo, il aura baissé. Ça serait bien, mais voilà, je m'excuse comme je vous l'ai dit. Il est à 10K plus cher, il rentrait dans le budget avant. Mais je pouvais pas changer mes plans, j'avais déjà fait la miniature, tout ça, vous l'avez compris. Donc voilà, donc pour cette première carte, ensuite on va passer au deuxième joueur. Ça va être un ailier fort pivot. Vous pouvez jouer aux deux postes, mais je vous conseille vraiment de le jouer plus en pivot. C'est le deuxième meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Il s'appelle Karl Malone. Il est incroyable, 2m06, 113 kilos, assez costaud. Il est un peu petit pour un pivot, vous allez me dire, mais franchement, ça fait largement le taf. Et on va pouvoir comparer, comme vous le voyez, à droite avec une carte comme David Robinson, qui est le meilleur pivot du jeu. J'ai fait une review dessus si vous l'avez pas vu. Regardez au niveau des mouvements au poste, franchement, sa stat du bras roulé à 93, du fadeaway à 93 par rapport à un 94 de David Robinson, un 97 de tir de près, 94 à mi-distance, un petit 86 à 3 points avec une chaussure à un côte, il peut atteindre 92, dunk sans élan et dunk en pénétration, un double 95. Au niveau de la défense, seulement 73 en inter, mais 90 en contre avec un 95 de défense intérieure. Double 94 de rebond, c'est 4 de plus que David Robinson. Comme vous voyez, je lui ai mis une chaussure. Normalement, il a double 90. Karl Malone, c'est du double 94. Et tout ça assemblé à un 90 de vitesse. Et comme toutes les cartes qui sortent aujourd'hui au niveau des badges, par contre, David Robinson, il le mange. Clairement, il le mange. Mais c'est normal en même temps. C'est une carte qui vaut 20 000 et à côté, c'est une carte qui nécessite plus de 100 heures de grind. Donc 23 badges Hall of Fame, 23 en or, c'est très correct, pas mal de badges défensifs, pas mal de badges au niveau des postes bas, il possède également Showtime premier pas rapide. Donc voilà, Karl Malone, un très bon ailier fort pivot. Ensuite, le troisième joueur que j'ai à vous proposer, comme vous l'avez vu si vous avez suivi un petit peu l'actualité, Ty Debo a été champion du monde avec cette carte de Lonzo Ball à la main qui est juste monstrueuse, ce qui a influencé un petit peu son prix, ce qui a influencé les gens à jouer avec. Il coûte
Il est à la limite du budget, il est à peu près à 46 000, 47 000. Et franchement, cette carte est trop forte de Lonzo Ball. Il fait 1m98 pour 86 kg, donc il est quand même un peu assez grand pour un meneur. 1m98, il shoot à 93 à 3 points, il dunk à 90 en pénétration, tire de près à 94, 87 à mi-distance. Au niveau de la passe, il est monstrueux, 98 en précision, 94 en contrôle de balle. Défensivement, 92 en inter, 95 en défense extérieure et du petit 80 en défense intérieure. Au niveau de la vitesse, triple 94, il est vraiment très très fort, énormément de monde joue avec. Et en tout cas, très honnêtement, si j'ai un meneur à vous conseiller dans cette vidéo parmi les meneurs que je vais vous proposer, ça dépend de vos goûts bien évidemment, mais ça va être, je pense, la meilleure carte que vous allez avoir en tout cas à disposition dans ces budgets-là. Lonzo Ball, au niveau des badges, 21 Hall of Fame, dont du tenaille, du intimidateur, premier pas rapide, du finition libéré, du machine à tirer. Malheureusement, il n'a pas sniper, mais il a un 93 à 3 points et il possède bien évidemment le sniper en or, mais il n'a pas en Hall of Fame. Le petit défaut, on va dire, de cette carte, mais il fait largement le taf. Il est tellement explosif, tellement bon près du cercle, tellement bon à Tomar que Lonzo Ball va vous faire carry plein de victoires. Franchement, il est super fort. Et le joueur suivant, c'est Malik Sealy. Je le conseille énormément, que ce soit sur Twitch, aux gens qui me demandent un arrière-ailier, même ceux qui me demandent une énorme carte opale, je vous conseille Malik Sealy. Également sur Twitter, quand on me demande, je vous conseille cette carte de Malik Sealy. Elle est vraiment très 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 cheatée. Collection Flash 7, il fait 2m03 pour 86 kg. Il est complet de malade, cette carte de Malik Sealy. Je vous assure qu'elle est meilleure que beaucoup de cartes opales, beaucoup de grosses cartes qui coûtent plus cher. Si vous avez besoin d'un arrière-ailier, vous n'avez pas fait Kawhi, que vous n'avez pas fait certaines cartes reward en arrière, que ça soit du Brandon Roy, etc. Je vous conseille d'acheter Malik Sealy. En tout cas, ça fera le taf. En attendant que vous chopez une grosse carte reward ou que vous paquez un petit peu une grosse carte, etc. Ça fait largement le taf. Comme vous le voyez, il shoot à 3 points, il dunk en pénétration, il est très bon en finition près du cercle, loin du cercle. Très bon en contrôle de balle, en précision de passe. Défensivement, ça fait largement le taf. 86, 85, 90 et 84. Au niveau de la vitesse, 93 de vitesse pour un arrière-ailier grand comme lui, capable de shooter de partout. Franchement, c'est très très bien. Je vous ai déjà présenté cette carte de Malik Sealy de toute façon en vidéo, mais je vous la représente parce qu'elle rentre tout simplement dans le thème. Je vous ai pas dit là, également 99 en attaque, 97 en défense, en stats général. 18 badges Hall of Fame, 33 en or, catch and shoot spécialiste du coin. Tenaille, climatiseur, intimidateur, showtime, premier pas rapide, machine à tirer. Quand je vous dis que cette carte est vraiment très forte, et le sniper, il le possède comme vous vous en doutez. Hop, on va descendre tout en bas pour le montrer. Sniper en or, chasseur de zone préférentielle en or, tireur clutch, mur de briques. Cette carte de Malik Sealy est très très forte. La prochaine carte que j'ai à vous présenter, il est sorti il n'y a pas longtemps. C'est la première carte comics que je vous présente. Il est pivot, ailier fort. C'est Karl Anthony Towns, les gars. Il est juste énorme. C'est en ce moment. Comme vous le savez, avant c'était DeMarcus Cousins, le pivot low budget, le plus conseillé en tout cas en diamant rose, DeMarcus Cousins en glitch. Karl Anthony Towns vient de prendre sa place dès vendredi, il a pris sa place directement, plus la carte esthétiquement, elle est magnifique cette carte de Karl Anthony Towns. Comme vous le voyez, il est très physique, il fait 2m11 pour 112 kg et malgré ce physique là, il est très 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 mobile dans le jeu. 93 à 3 points, 92 à mi-distance, 90 en tir de près. Au niveau des stats, au poste 94, 90, 94. Il dunk sans élan et en pénétration en double 90. Quand je vous dis que cette carte est insane, je vous mens pas les gars. Au niveau de la passe, bon, il peut pas non plus être bon partout. C'est pas un Magic Johnson. Il a seulement 65, 60 et en IQ, il a 79. Au niveau de la défense, 90 en contre, 85 en inter, 85 en défense extérieure et un joli 90 en défense intérieure. Au niveau du rebond, très propre, 93, 94 et un 87 de vitesse. Moi je vous conseille les gars, si vous jouez avec cette carte de Karl Anthony Towns, de lui mettre une chaussure qui va lui améliorer son contrôle de balle et sa vitesse. C'est un conseil, il va être encore plus fort, mais il est déjà extrêmement fort. Et au niveau des badges, comme vous le voyez, 27 badges Hall of Fame pour cette carte de Karl Anthony Towns, que je vous conseille vraiment en pivot. J'ai un autre pivot qui va arriver, deux autres intérieurs on va dire dans cette vidéo qui vont arriver après, mais Karl Anthony Towns, il a un truc spécial. Il est kiffant à jouer, il est super physique, il shoot vraiment, il est incroyable, intimidateur en Hall of Fame. Showtime en Hall of Fame, premier pas rapide, et comme vous le voyez, le joli sniper en Hall of Fame que possède pas David Robinson par exemple, et énormément de pivots. Sniper Hall of Fame, c'est très important pour un pivot. Et également, si vous jouez en 3-3, si vous jouez en 5-5, si vous jouez extrêmement en pick and pop, ou si vous jouez sur des décalages à 0 degré, il va pouvoir vous carry tellement de fois ce genre de pivot avec, Sniper Hall of Fame. Voilà pour Karl Anthony Towns. Et comme je vous ai dit les gars, va y avoir d'autres ailiers forts pivots qui vont sortir. Vous pouvez le jouer en ailier fort, Draymond Green, il est capable de jouer les deux en pivot. Ça va être du small ball en ailier fort, ça va être très correct. Il fait 2m01 pour 104 kg.
Notre ami Draymond Green, 91 à 3 points, 85 à mi-distance. Au niveau des postes bas, c'est pas foufou. Il dunk à 85 en pénétration. Les stats sont pas, comme vous le voyez, offensivement folles, mais défensivement, il va être très très fort. En IQ de passe, il a 92, précision de passe 84, contrôle de balle 86, défense intérieure 96 et défense extérieure 90-88 en inter. Ça va faire la différence pour un intérieur, les gars. 92 et 90 de rebond et le triple 89 de vitesse. Vous allez me dire, contrairement à une carte comme Karl-Anthony Towns, les stats sont pas vraiment folles. Elle est un petit peu en dessous, mais franchement, il est très bien badgé. Il est vraiment cheaté sur le jeu. En tout cas, toutes les personnes qui ont joué avec l'ont conseillé. Moi, je vous le conseille également, Draymond Green. Il coûte environ dans les 40K. C'est un très bon ailier fort. Il possède tenaille, il possède climatiseur, intimidateur, il possède premier parapente, sniper en Hall of Fame également. Donc si vous mettez par exemple en ailier fort notre ami Draymond Green, notre ami, non, parce que je déteste ce joueur, mais vous avez compris, Draymond Green en 4 et Karl-Anthony Towns en 5, ça va vraiment être très très propre. Ensuite, le prochain joueur que je vais vous conseiller, les gars, ça va être une carte un petit peu moins chère que les précédentes. Il joue dans la même équipe, il a été champion avec le joueur que je vous ai présenté juste avant, le sniper. Klay Thompson en diamant, qui a une carte, les gars, quasiment similaire à la carte Opal que j'ai dans mon équipe. Moi, à part au niveau des badges, il en possède un peu moins. Sinon, il a pratiquement la même carte que la carte que j'ai payé plus d'1 million à faire en reward. Mais c'est pas grave, les gars. Moi, je l'ai fait au bon moment. J'ai kiffé avec. J'ai pas de regrets à avoir. Donc, cette carte, elle coûte un peu plus de 10K. Elle est franchement très très fort. De toute façon, Klay Thompson, surtout qu'il est très très fort. Pourquoi? Parce que pour un arrière, contrairement à énormément d'arrières dans le jeu, défensivement, il est juste monstrueux. C'est ce qui va faire la différence aussi d'une carte comme Kawhi Leonard que vous voyez à droite. La défense au poste d'arrière, c'est tellement important pour des arrières en plus qui courent pas forcément très vite, etc. Ils vont pouvoir vous intercepter énormément de ballons. Il fait 1m98, 97 kilos. Comme vous doutez très très bien, 97 à 3 points pour Klay Thompson, 93 à mi-distance. Également un petit 80 en dunk en pénétration. Des fois, il a des belles animations. Au niveau de la passe, c'est très correct. Et en défense, comme je vous ai dit, défense extérieure à 94 et interception à 88. Au niveau des rebonds, c'est correct. 70 en rebond def, il en prend pas mal. 89 de vitesse, 88 avec ballon et 88 d'accélération. Au niveau des badges, catch and shoot spécialiste du coin, il possède, comme je vous ai dit, très fort en défense, hein, regardez, c'est pas pour rien, la tenaille climatiseur intimidateur Hall of Fame pour une carte en diamant, c'est très correct. Et au niveau des stats des badges de tir, finition libérée, sniper, machine à tirer, ça paraît logique pour un joueur comme Klay Thompson, franchement très très fort, je vous le conseille en arrière et non pas en ailier, vraiment en arrière. Et ensuite on va passer à un autre joueur, c'est un meneur également que je vous ai conseillé, je sais plus dans quelle vidéo, il me semble, ah c'était sur les vidéos achat-revente, c'est Steve Nash. En diamant rose, il a deux versions, à vous de voir laquelle vous voulez prendre. En tout cas, celle-ci, elle a un badge Hall of Fame en plus. Et franchement, elle coûte rien. La carte, elle coûte 15 000. Steve Nash, en meneur, 1m91, 88 kg, 96 à 3 points. La particularité de cette carte, comme vous le voyez, 95 en dunk en pénétration pour Steve Nash. Ça fait un petit peu bizarre. En tout cas, le design de la carte, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve magnifique. C'est la deuxième carte comics que je vous présente. L'effet sorcière comme ça avec le chapeau, avec les objets derrière. Je trouve ça juste sublime. Donc, comme vous le voyez, Steve Nash qui dunk en pénétration à 95. Il a des énormes animes en plus. Il shoot à 3 points à 96. Précision des passes à 98. Contrôle de balle à 94. Et contrairement à ce que l'on pense, Steve Nash, il a quand même un 90 en inter et 93 en défense extérieure. On connaît Steve Nash, c'est un des joueurs de la NBA dans l'histoire qui défendait le moins au poste de meneur, mais il a des stats de fou défensivement. Au niveau de la vitesse, triple 98. Et au niveau des badges, c'est tout aussi monstrueux avec 27 badges Hall of Fame et 19 en or. C'est une des cartes dans la vidéo que je suis en train de vous sortir les plus badgées, en tout cas, que je viens d'avoir pour l'instant, avec du Tenaille Hall of Fame pour Steve Nash, c'est n'importe quoi. Du Showtime Hall of Fame pour Steve Nash, c'est également n'importe quoi. Du premier parapluie, de l'imperturbable, finition libérée, sniper, tireur infatigable, machine à tirer. Il est vraiment très fort ce Steve Nash, je vous le conseille, il coûte à peine 15-20 000 pour une carte aussi forte. En plus, le design est sublime. Après, vous avez cette carte glitch, vous préférez ce design-là, mais c'est les mêmes cartes, sauf que la carte comics possède un badge Hall of Fame en plus, contrairement à la carte glitch. Et la dernière carte que j'ai à vous proposer dans cette vidéo, un ailier. La carte date un petit peu, comme vous le voyez, mais franchement, ça change rien sur le fait qu'il est extrêmement fort, extrêmement cheaté et toujours joué à l'heure actuelle. J'étais obligé de vous en parler, les gars, de cette carte de Danny Granger, diamant rose. Danny Granger qui est très physique, qui fait 2m06 pour 103 kg. Comme vous le voyez au niveau des stats, il a un 92 à 3 points, 95 à mi-distance, il est un petit peu complet partout. Comme je vous ai dit, le seul défaut, vous allez voir après, ça va être au niveau des badges, il est très mal badgé, mais cette carte est vraiment toujours utilisable, jouable.
de par son physique, de par son animation de shoot qui est vraiment très simple à maîtriser en compétition. Les gars, il est extrêmement joué. Danny Granger au niveau de la passe, 86, 84, 84, 85 en contre, 85 en défense extérieure. Au niveau des rebonds, c'est moyen mais c'est correct. 90 en vitesse pour un ailier avec 87 avec ballon et 90 d'accélération. Comme je vous ai dit, au niveau des badges, c'est pas exceptionnel. Il en a seulement 8 en Hall of Fame et 30 en or. Mais ceux qu'il a en Hall of Fame sont tellement importants, offensivement en tout cas, au shoot pour un poste 3 avec du catch and shoot, du finition libérée, du chasseur de zone préférentiel, du sniper, du tir infatigable et du machine à tirer, comme vous l'avez compris. Spécialiste du coin également, c'est un excellent shooter. Après, défensivement, c'est un peu plus compliqué. Il possède le tenaille climatiseur intimidateur en or pendant le fait, malheureusement. Mais ça fait quand même le taf. En tout cas, cette carte de Danny Granger, très forte en ailier. Sinon, vous avez le Lamar Odom que je vous ai conseillé au début de cette vidéo. Donc, pour résumer, et également le Malik Sealy, excusez-moi. Je vous ai conseillé dans cette vidéo Lamar Odom, Karl Malone, Lonzo Ball, Malik Sealy, Karl Anthony Towns, Draymond Green, Klay Thompson en diamant, Steve Nash et Danny Granger. J'espère vraiment que ce genre de vidéo vous a plu. Dites-moi et mettez un like les gars si vous voulez l'épisode avec les meilleurs joueurs entre 50 et 100 000. Ça va arriver très très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très vite sur Twitch. Venez, lien dans la description. Allez, ciao les gars.